Des milliers de visiteurs sud-africains étaient attendus pour assister ce week-end à la première exposition du musée de l'armée de l'air sud-africaine, ASWORLDCOP. Le musée de l'armée de l'air de l'Afrique du Sud rouvre ses portes cette année après une interruption de 3 ans. Le site était resté fermé depuis la pandémie de Covid-19. Le spectacle aérien a offert au public des démonstrations aériennes exceptionnelles, ainsi que des exercices de pilotage, des largages de parachutistes, des numéros de voltige et de nombreuses autres animations organisées par les plus grands noms de l'industrie de l'aviation et de la défense, qui ont présenté leurs avions les plus récents et les plus performants. Ce spectacle donné par le musée de l'aviation est un événement majeur et essentiel pour la collecte de fonds de l'Alliance des trois musées consacrée à l'histoire de l'aviation militaire sud-africaine. Il s'agit notamment de préserver en état de vol ou d'exposition les avions d'époque dans la mesure du possible, au siège du musée de Swartkop et dans les musées annexes du Cap-Oriental et du Cap.